Voilà. Voilà. Hop. Merci, au revoir. Tiens, puis la send. Hop. Tant qu'on y est. Parce que je vois qu'il y a 59 stacks. Alors, hop, ça déjà. Rebalance tout. Ça avec. Va vider un petit peu la cobble parce que ça devient un petit peu ingérable. C'est en train de me saturer à plier l'énergie stick. Voilà, ça devient déjà un peu plus gérable. Parce que 50 mégas, enfin 50 kilos, faut pas déconner non plus. Voilà. Il va pouvoir un peu plus respirer. Alors, les item duct. Sera pas assez. Que ça devrait suffire. Alors, comment on va relier ça? Je pense basiquement on va faire quelque chose comme ça. Ah oui, ça doit être en mode extraction tout ça. On va mettre des redstone dans des blocs de redstone. Non, ici, bah si, ici aussi. Ouais, ici ça va faire un raccord. Oh, ça fait un raccord un peu bizarre, mais ça le fait. Ok. Ouais, c'est nickel ça. Allez, hop. C'est juste du posage de câbles, c'est pas bien compliqué tout ça. Je relie tout et puis on va bien voir. Quoi que je sais pas en fait si je vais mettre du vert parce que ça le tout le bordel ça fait un peu moche je trouve. On verra, on verra. C'est classe. Ok. Ok, on va déjà faire, enfin configurer tout ça. Donc ouais, non. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ces modes-là aussi, mais je sais pas m'en servir. De toute façon, on s'en fout, tout est en extraction et on s'en fiche en fait. Donc
Je vois comment optimiser les choses. Voir si je mets deux. Enfin. Ouais. Ouais, je vais mettre simplement un tous les deux en fait. Et puis ça marchera nickel. Ok, allez. Hop, comme ça me fera économiser quelques blocs. Même si. Ah oh, zut. Même si bon l'économie. C'est pas trop un souci. Hein. Niveau. Comment niveau ressources je suis tranquille, je suis plutôt tranquille. L'énergie quand même ça commence à devenir ric-et-rac, mais là j'ai largement de quoi alimenter ça. Le problème c'est la cuirie, c'est la cuirie qui consomme beaucoup trop. Ça va être ce système là qu'il va falloir que j'optimise. Je pense éventuellement utiliser plutôt de l'industrial craft plutôt que du thermal expansion. Oups, je crois que j'ai fait une connerie. Je peux rentrer par là. Ouais, j'ai fait une connerie. Merci. Hop. Allez. Ici. On va poser ce qui reste. Donc c'est ça, donc c'est pas 12, hein, c'est 11 par côté. Donc 11 x 4, 44. J'ai hâte de mettre tout ça en fonctionnement, vérifier si ça fonctionne. Mais normalement, ça devrait être bon. Hop. En fait, je suis même pas sûr qu'il y ait besoin de les alimenter parce que normalement, les machines là, elles éjectent. Donc, il n'y a pas besoin normalement d'alimenter. Mais je préfère le faire, on sait jamais. Je vais quand même mettre par sécurité au cas où ça optimiserait quand même. J'en sais strictement rien, hein. Je dis ça. Dites-moi dans les commentaires, mais je pense pas. Je pense pas que ce soit nécessaire. Mais j'en mets quand même. Ah. Bon, on va essayer sans. Simplement parce que en bas je peux pas en mettre. Bon. Est-ce que je referme? Donc résultat, ouais, hein, donc il me fallait bien 3 d'épaisseur parce que je vais refermer. Bon, pour le moment, je vais me faire une entrée par en haut. Une entrée de service comme ça ici. Voilà. Je vais tout fermer. Ah, tout ouvrir. Hop. Ici. Et là. Voilà. F7. Au milieu, ça spawn quoi qu'il arrive. Ouais. Bon. Bah, on va. Ah oui, mais ces trucs-là, ça éclaire. Ah, ah. Ça éclaire ici. Est-ce que c'est un problème? Je pense pas. Ça va réduire juste un petit peu le taux de spawn, mais c'est même pas pour les pour l'auto-spawner, c'est pour les spawners. Oh, je pense que c'est pas un souci.
Je pense que ça va vraiment pas être un problème. Non, ça devrait pas être un problème en fait. Allez, hop. Alors, que je dise pas de bêtises. On va aller chercher de la Dark Glass. Dark Glass répare. Non, je déconne. De la Dark Glass, j'en ai plus assez. Largement plus assez. Donc il va, enfin, il va m'en refaloir. Dark, d'ailleurs, je vais le taper entièrement. On sera peinard. Dark Glass. Oh, j'en ai là. J'ai plus de quoi faire. Des Ink Sacs. Et galère. Il va falloir que j'aille. Ça marche. Ça marche pas. Bon. Chasse aux poulpes. Ouais, bon. Je peux, hein, mais bon. Colorant noir, colorant noir. Qu'est-ce que je peux avoir en noir sinon à part. Donne la liste des colorants ici. Des Death Bloom. Ok, ouais, mais c'est dans des biomes spécifiques. Bon, ben, tout ce qui me manque. Tant pis. Hop. On va faire ça à la cobble classique. Désolé. Donc, hop. Ok, c'est bon. Logique. Ok, si c'est bon. Je regardais en bas si ça se mettait bien, mais il n'y a pas de ré. Zon et galère, j'en ai fait un trop. Pas grave, je couperai après. Hop. Voilà. Ouais, ça je sais pas si c'est. Non, ce sera pas nécessaire ça. Ah oui, c'était le coin de. Hop. Voilà. Ok, ça m'a emmerdé. Oups. Ça c'est plus rapide.
Résultat, ça ressemble à ça. Pareil, hein, il y aura le par-dessus le tank qui viendra. Je pense qu'en fait, je vais le mettre bah, là où je pointe actuellement. Ça veut dire faire une couronne, une grosse couronne. Et puis on verra bien comment on alimente tout ça. Oula. Ok. Bon, sinon c'est pas mal cloisonné, mais ouais, il y a ça qui fait la lumière, quoi. D'ailleurs, c'est bizarre, la mobescence. Il arrive à déterminer qu'ici ce sera de la mobescence. Allez, hop. Alors, pour le moment. Alors, ça, farinette. Alors, déjà, ça, on va le renvoyer. J'en veux plus. Alors, les Wither Skeleton. Ok. Les Creepers. Ok. Les Endermen. Ouh, et ben. On va mettre tout ça dans un coffre. Allez, hop, c'est temporaire. Et on sait qu'on a déjà ces trois bestioles-là à mettre. Alors, normalement il y a asymétrie donc voilà, donc vu que c'est 13 de largeur, il y a asymétrique. Voilà, ici c'est bon, je vais rajouter ici c'est bon, ah, ici c'est bon, voilà. Bon, c'est assez gros. Et tout ce qu'il me faut maintenant, c'est des mufflers. On va en mettre 4, histoire d'être tranquille, vraiment tranquille. Donc, de la redstone, j'en ai. Je vais m'en faire plusieurs hein, parce que c'est toujours toujours utile. Et de la wall. Voilà. Et là-dedans, je veux dire que c'est déjà l'orgie. Non, bon, c'est pas l'orgie. Allez, donc un ou quatre coins. Hop, puis on va faire un trou de sortie à côté. Ouais, c'est bon ça. Je rajoute pas un ici. Oh, allez, si. Toujours ça de prix. Bon, normalement ici ça devrait pas s'entendre hein, quand ça va spawner. Alors je veux juste voir un truc,
Il va juste me falloir pour ça une cobble. C'est un peu éclairé par endroit. Mais sinon. Ça fait quoi là? Ça fait ça. Ça fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 je suis pas d'accord. C'est ça qui est clair en fait. Je sais pas comment ça se fait, j'ai une torche là. Heureusement que je peux passer pile poil entre deux tuyaux. Allez. Ah d'accord, puis aussi. Bah oui, évidemment. Ok, ici, je l'ai vu. Ouais, ici ça peut spawner éventuellement, mais c'est pas bien dramatique. Qu'il est juste mal placé. Voilà. Sinon, il y a ces trucs-là, mais... Non, c'est pareil, ici, c'est parce qu'il est mal placé. Bon, allez, tant pis, hop. Ici pas trop le choix. Oh, puis ici il y a le choix, il y a toujours le choix. Ouais non, en fait il y a, voilà, faut juste doubler, hop, et là on est tranquille. Ok, ici, ici pareil de ce côté là hop, comme ça. Comme ça, ici au moins les croix rouges qu'il y a dans le là l'interstice où je me trouve, il n'y a pas grand risque en fait. Voilà. Et pour remonter, et ici, ici, non. Là, allez. Tu peux le faire, Jean-Pierre. Nickel. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Même la lumière en dessous, elle gêne pas. Ok. Eh ben, je suis content. Bon. Ben, on va mettre tout ça en fonctionnement. On va chercher sa farinette et on va mettre ça en fonctionnement. Creeper, Enderman, Skeleton. C'est pas les Enderman. Les squelettons. Allez, et on se casse. Allez, je vais juste mettre. Ah ouais, mais c'était. Ah non, 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 les squelettons, je me suis planté.
Exit copy. Allez, voilà, meurs. Allez. J'espère que ça va pas spawner en dessous. Normalement, ça peut pas spawner en dessous. Bon, résultat, c'est assez réactif. Hein. Ah, j'ai quand même un doute si ça spawn en dessous. C'est là que je vais me retrouver avec l'invasion de mobs. Non, ça spawn pas en dessous. C'est trop... Il y a trop de vide. Par contre, le muffler, pas efficace. Oups. Attendez, par contre, pourquoi il n'y a que le... Ah, merde. Bah oui. Le skeleton, ok, je vais trouver une autre solution. J'ai trouvé une solution pour ça, en tout cas. Underman, bah ouais, résultat skeleton ici, puis creeper ici. Ouais, pour le moment, j'en ai que 4 d'actifs, logique. Parce qu'il y en a que 4 qui sont alimentés. Faut que je trouve une solution pour alimenter ceux-là. ça va se passer pas en dessous. C'est pas malin de ma part, je l'avoue. Je l'avoue, c'est pas malin de ma part. Comment... ouais, le problème c'est qu'ici, il va recevoir... je peux... Ouais, je peux simplement casser ici. C'est con. C'est con, mais en même temps... J'ai pas de reste d'énergie conduite. Si j'ai un creeper qui me tombe sur la tronche. Ouais, ah ouais. Bon, pas efficace du tout les mufflers. Hein. Ok. Résultat, est-ce que je peux... Ouais. Est-ce que je peux factoriser, entre guillemets... Ouais, ici quoi. Si je peux récupérer rien. Parce qu'en bas j'ai l'émission et je voulais vraiment que ce soit un poil symétrique quoi. Donc donc ok, allez hop. Oh, c'est pas possible. J'ai vraiment peur qu'il y a un mob qui me tombe sur la tronche en fait. Ah ouais, évidemment, t'es pas... Skeleton, copie exact, oui. Copie exact, no. Donc c'est de l'autre côté. Lui, copie exact, no. C'est encore l'autre. Copie exact, no. Voilà. Donc, toi, ok. Toi, non.
Bon, bah ça c'est fait. Oh la vache! N'importe quoi, ok. Oh le carnage. Oh le carnage. Bon, j'ai récupéré mes trois safarinettes. Oh là là, le carnage. Oh putain. Bon bah je refais tout. Bon bah écoutez, ben j'espère que cette partie vous a plu. Ça se finit par un énorme fail. Et puis ben moi je vous dis ben, à plus tard. Voilà. Je vais vomir. Je suis tombé à court d'émeraude. Donc j'ai plus du tout d'émeraude. Ben j'en ai que 4. Je n'ai pu refaire que 3 autonomous, que 3 auto-spawners. Et c'est tout. Donc voilà. bon bah. Pour le moment ça va rester en pause tant que j'ai pas de nouvelles émeraudes. Mais sinon bah, ça marche bien. Ça marche même trop bien. Je me suis fait poutrer la tronche royalement. Bon mais ça va. Hein. C'est ma connerie. C'est moi. Hein. C'est mes bêtises. J'assume. Je vais pas rager là-dessus. Vu que c'est de ma faute. Parce que là c'est pas une. Je veux dire, bon, je me suis fait poutrer par les creepers. C'est pas juste, mais bon, je. C'est moi, j'aurais dû être plus précautionneux, entre guillemets. Donc, j'ai pas pris mes précautions, j'assume. Voilà. Bon, ben je vais faire une pause, je vais regarder au query. Je pense me servir de géothermal. Voilà, de trucs là, de ces trucs là. Ça produit 24 000 EU. Et 24 000 EU, qu'est-ce que je peux faire ici? Je sais pas, rien n'est indiqué. Je sais pas. À voir si remplacer en fait le. Ah ouais, dans tous les cas, par contre, il me faut un tesseract. Oh, je sais pas. Tant pis si ça me pompe trop d'énergie. C'est pas dramatique. Quoi qu'il en soit, lui, il est revenu à fond. Voilà. Bon. Ben, j'en trouve plus tard. Je vais leur déposer mon underpearl. Là-dedans. Pas mon underpearl. Comment ça se fait que j'en ai encore qui spawn d'ailleurs? Ah ouais, ça réduit le son en fait. Je l'entends toujours, mais c'est moins bruyant. Et encore. Ouais, ça dépend en fait. Bon, ok, allez, je vous laisse. J'attends des émeraudes, je refais en haut et puis ben on refera un essai ensemble. Voilà. Ouh la vache, je prends le record un petit peu tard, mais voilà sur quoi je suis tombé. Je suis pas équipé pour, mais je serais bien tenté. Dès que j'ai l'occasion, je l'essaierai. Je suis dans la toilette forest. Et bonjour à tous et bienvenue. Oula, je lance le record un petit peu à l'arrache. Donc nous nous retrouvons donc après la reconstruction de ceci. Donc j'ai
J'ai dû attendre pas mal de temps, sachant qu'en plus j'ai un autre creeper qui a spawné naturellement dedans et qui m'a tout fait péter encore une fois. Quand je vais dedans, quand j'ai besoin d'aller directement dedans faire un peu de maintenance, je passe en peaceful. C'est beaucoup plus simple. Je mettrai un système d'éclairage plus tard. Pour le moment, je repasse en peaceful quand j'ai besoin d'aller dedans. Sinon, je reste en easy et puis ça tourne nickel. Alors, deux, trois petits changements. Entre deux. Premièrement, ici, tac. Donc, je me prévois une autre salle d'énergie. Pareil, ce sera des lava générateurs. Hein. Je pense passer au redstone générateur, mais bof, pas. Je me servirai pas de redstone pour l'énergie, donc je préfère rester sur les lavas. Et je sais pas si les redstone générateurs produisent plus avec de la lave que les lava générateurs de base. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, eux, ils sont pompés à fond. Hein. Ils savent plus où donner de la tête. Les géothermal générateurs, ça va. Hein. Ils arrivent à tenir. Pour Bullcraft, mais Bullcraft n'est pas très. Non, c'est Industrial Craft, pardon. Industrial Craft n'est pas très très sollicité. Notre petit Tux, que voilà, je l'ai fait une petite banquise, sympa. Et évidemment, Tux, c'est le symbole de Linux. Et évidemment, pour troller un peu, voilà. J'ai mis donc le pagois de Linux à côté du ME Assembly. Voilà, ME Assembler Chamber. J'avais dit que j'en ferais pas et finalement j'en ai fait une. D'ailleurs, je l'ai prévu un peu trop large, donc résultat, elle m'a coûté très très cher. Je suis tombé à court de Certius Quartz, donc j'ai dû moi-même aller en chercher sur les parois de mes queries, ainsi que sur deux trois petites failles qui traversaient mes queries. Donc voilà. Le pattern, il est relativement simple. Donc elle fait 9 sur 9. Sur 9 de profondeur. À l'intérieur, il y a un donc 27 crafting. Attendez, je vais vous montrer. Donc c'est simple. Donc déjà ici, il y a les assembly conteneurs walls. Donc ça, c'est pas un souci. Hein. C'est les arêtes. C'est les arêtes du cube. Ensuite, on a les heat vents qui sont donc les aérations qu'on a sur chacune des faces, y compris en dessous. Ensuite, la couche qu'il y a en dessous, c'est les crafting CPU. Donc là, il y en a, en gros, ça refait tout un cube à l'intérieur de crafting CPU. Et sous les crafting P CPU, on a les pattern providers qui contiennent donc nos ressources, enfin nos crafts. Ici, et puis le event. Voilà, ça recrafte tout et puis dedans tout est accessible. Alors les crafts que j'ai fait, pas très compliqué, ce qui retransforme en fait l'iron en. Enfin les blocs en lingots. Donc pour le moment j'ai commencé ceux-là, c'est ceux que j'utilise le plus. Et ici j'ai commencé à faire tout ce qui est applié d'énergie stick. Donc je peux me crafter des 16K sans réel problème. Après, il faut que juste que je vérifie un petit truc. Mais ce n'est pas trop trop un problème. Ouais, ils sont ici. Donc c'est réglé. Sinon, il faudra aussi que je fasse des interfaces pour vraiment tout me faire. Mais pour le moment, je reste sur du basique, du réel basique. Donc si je fais du 16K, voilà, je peux me faire à 16K. Begin. Ah oui, puis j'ai pas fait de crafting monitor, donc je sais absolument pas où il en est. Mais je devrais pas vraiment poser de soucis ça. On va voir s'il le crée. Mais normalement, il devrait le créer assez rapidement. Hein. Mais c'est vrai que je n'ai pas fait de crafting monitor. Donc on va en faire un rapidement. Crafting monitor. Oh, voilà, bien compliqué tout ça. Ah, qu'est-ce qui manque? De l'iron, évidemment. De l'iron. Alors, je peux en crafter.
Mais si je veux en crafter, le problème, bah, c'est que dès qu'il va être crafté, il va être envoyé là-bas. Pour cela, je me suis fait un petit ordinateur qui communique en RedNet avec un autre ordinateur là-bas. Et je peux lui dire... Donc normalement, je l'ai relancé. Voilà, AutoCraft off. Et il va simplement couper tous les crafts. Enfin, l'envoi des crafts là-bas. Et donc là, je peux demander de l'iron. Voilà, vous voyez d'ailleurs, j'ai l'iron qui est arrivé de ma query. Et c'est déjà... Elle n'est pas envoyée. Là où je... Donc il m'en faut 4, voilà, 3 résultats. Begin. Voilà, ça va même très très vite. Hop. Et j'ai mon crafting monitor qu'on va mettre. Ça, j'en ai plus besoin, mais ouais. Bah écoutez, c'est le crafting monitor. Ouais, mais non, j'ai besoin qu'il soit ici. Est-ce qu'il a besoin d'être... Non, il n'a pas besoin d'être linké. On va virer ça. Parce que ça c'est inutile. Et donc, résultat, on va mettre ça là. Hop. Là. Et donc, lui... Ah oui, ok. C'est du Sertu... Bah oui, je vous ai dit, le Sertu Squirt. Je suis tombé en rade. Donc systématiquement, bah, je peux plus. On va juste essayer de mettre quelque chose d'autre là-bas. Alors, je sais que avec un pied d'énergie stick. Excusez si je renifle là, mais je suis un petit peu enrhumé. Je sais qu'on peut contenir des fluides, mais je ne sais absolument pas quel est. Le truc qui permet en fait de le faire. Peut-être le condenseur. ME condenseur. Ça me bizarre. Je sais pas. Faut dire je ne sais pas en fait. Je sais pas, donc on verra bien. En tout cas, il faut que je trouve éventuellement quelque chose à mettre ici, parce que ça fait un trou, ça fait moche. Donc on trouvera bien quelque chose à mettre ici. Bon, donc lui, on va en parler rapidement si vous voulez. D'ailleurs, j'ai pas rebouché le trou ici. Hop. Voilà, simplement, c'est un ordinateur qui contrôle de la redstone. Le programme, il est tout simple. S'il reçoit on, il éteint le fil de redstone. Si il reçoit off, il l'allume. Donc c'est inversé au niveau de la logique. Et simplement, donc j'ai mis vraiment du voilà la brique là pour distinguer. Et puis simplement, bah donc la redstone, elle alimente les blocs là, donc les blocs que j'ai mis en stone brick. Et simplement, bah, tous les fuse export bus ne fonctionnent que si elles ne reçoivent pas de signal de redstone. Si elles en reçoivent, elles fonctionnent. Voilà, je suis parti de ce principe-là. Excusez-moi, faut que je me bouge. Voilà, je tenais plus. Donc voilà. Ensuite, bah, pas grand chose, j'ai fait un petit peu le ménage sur ma power armor. Enfin, un peu le ménage. Je sais même plus si on en avait parlé rapidement. Donc, sur le power fist, bon, bah, pas. Tiens, c'est bizarre d'ailleurs maintenant, mais. C'est bizarre, j'ai ça maintenant. Get. Drive, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc je me suis pris le melee assist que j'ai foutu à fond pour pouvoir me battre au corps à corps. Le blade launcher, je l'ai toujours. Les autres, je les ai virés. Le field tanker, ça c'est super sympa. Ça permet d'avoir bah, la table en fait bah, sur le power fist. Voilà, un maximum d'éléments spéciaux. J'ai pas pris les HUD config parce que je me servirai pas de logistic pipes.
Le graffeur. Ah, j'ai pas repris ça, tiens. Ça, j'avais dit que ça pourrait m'être utile, mais non. Attendez, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir bugué. Non, bon, bah, je sais pas. Voilà, après, donc le. Ici, pareil, ça n'a pas changé. Si, je crois que la puissance des Diamond Plates, j'ai augmenté un petit peu. Voilà pour tous. Et le field, il est au maximum. Donc ce qui protège au max. Et puis c'est tous des élites batteries. Par contre ici, ouais, j'ai viré le thermal generator du power armor. Et là, j'ai viré également le kinetic generator. Et maintenant, chose bizarre, c'est que en ayant viré ces deux trucs-là, bah, je peux aller dans le Nether sans prendre feu. Je peux aller me balader dans le désert. Je m'évite de m'approcher de ce truc-là parce que s'il y a un creeper là-dedans. Le problème, c'est que je sais pas pourquoi ils arrivent à me voir. Les creepers arrivent à me voir si jamais je suis près du truc. Apparemment, il y a que des araignées. Il y a rien dans les. Ouais, il y a un creeper. J'ai vu du vert. Il n'y a rien dans les autospawners. Pareil, dans les autospawners. Ouais, ça tu peux disposer. Dans les autospawners, je voulais vous montrer les safarinettes. J'ai trouvé ceci dans Forestry. Voilà, les druides. D'ailleurs, on va le flinguer, mais ailleurs, parce que c'est la merde, ce truc. Je me suis dit, druide, ça ressemble un peu à des witches, hein, c'est le principe. Donc, ça doit être facile. Donc, ça doit produire de la redstone. En fait, non. Ça produit des graines essentiellement. Et puis, ces trucs-là, en fait, quand ça tire, je vais le faire tirer. Vas-y, tire-moi dessus. Ok, non, mais tire-moi dessus, j'ai dit. Voilà, déjà, ça empoisonne. Et, bah, truc bizarre, c'est que là, normalement, il remplace des blocs, en fait, par des blocs comment dire, des leaves en fait, des feuilles. Donc moi je l'avais mis dans l'autospawner tout content et il s'est mis à me remplacer un petit peu de cobblestone par des leaves et j'ai eu peur pour mes machines. Donc voilà. Donc finalement bah, je viens de le tuer. Il me faut vraiment donc une sorcière. Ça va Tux? T'es bien sur la glace là. Par contre, je le trouve un peu triste tout seul. J'y ramènerai des copains. Y a pas de soucis. Pour le moment, je le laisse seul. Si je pouvais. Ah oui, il y a des élans. Il y a des. On va peut-être ramener un fan ou un truc comme ça avec lui. Pour ouais, juste pour le fun, histoire d'avoir voilà un pingouin, un élan. Au moins, il sera pas tout seul. Et ce sera plus sympa à voir. J'aime pas l'asymétrie qu'il y a ici. Voilà. Voilà donc la petite cage de Tux et puis l'assemblée cube. Voilà. Les tanks de Mob Essence, je les ai mis là. Il y en a une grosse quantité, donc là il y a de quoi faire spawner en masse. Ça monte pas des masses. Mais il faudrait que je me mette à FK près du. Genre ici. Ou. Ouais, de toute façon, ouais, même ici. Normalement, l'autre spawner il fonctionne. J'ai pas dû relancer la turtle. Bah si, elle marche la turtle. Aïe. Oui, d'accord, ouais, bah oui, elle m'attaque, normal. Donc la preuve qu'elle fonctionne. Bon. Voilà. Ici. Voilà. C'est plein. Enfin, c'était plein. Ça débordait en fait. Les chests débordaient. Donc j'ai renfloué les turtles. Et puis bah, les turtles sont en train de spawner en masse. Ça c'est une. Ah oui, ça c'est. Ça j'ai dit que je la mettrais. Je la mettrai là-dedans. Alors, ma cuirée est tombée sur un donjon. Elle est tombée même sur plusieurs donjons en fait. Mais là, le donjon, il est tombé pile poil sur une arête en fait. Donc, j'ai pu récupérer le spawner.
Et j'ai dit que le spawner, je le mettrais bien. Hop. Donc, on va simplement rajouter un spawner dans l'auto-spawner. Par contre, les araignées, ça m'embête un petit peu. Je voudrais autre chose que des araignées. Nickel, ça. Ok. On repasse en easy. Attends, excusez-moi. Voilà. Non, pas normal. Enfin, quoi qu'on peut. Donc voilà. Donc le rubber, ça produit à fond. Je vais peut-être remettre la production de d'auto-spawner. Voilà. Et donc ça marche exactement sur le même principe que le PC là-bas avec le reste. J'ai juste fait ça, voilà, comme ça, tranquillement, puis vous voyez, voilà, ça renvoie le tout. Ça fonctionne très très bien. Avec la redstone qui est en train de me faire des blocs. En parlant de redstone, ici, ça a diminué un petit peu. Enfin non, ça a réaugmenté parce que j'en ai remis en liquidation. J'en suis au niveau redstone. Ouais, je suis pas très très élevé, donc on va pas tuer le diable, on va rester comme ça. Ok, power, fuzzy export. Ah, petit freeze du jeu. Voilà, tout ça c'est donc l'évolution du bousin. J'évite de passer trop près de ça. Faut vraiment que je trouve une solution pour pas qu'il me voie. Avec des covers, certainement. Enfin bref. Parce que vous voyez, même les araignées, elles me voient, hein, elles me traquent. Donc c'est vraiment quand je m'éloigne qu'elle s'approche des harvesters, enfin des grinders. Et les grinders les butent. Voilà. Projet suivant, ben je sais pas. Oui, c'est ma fameuse truc à énergie. Le problème, je vous dis, c'est que je manque de Certus Quartz. Vous voyez, du Certus Quartz, j'en ai plus du tout. Hein. Certus Quartz, c'est ces trucs-là, ce sont ces fameux cristaux-là. Ces cristaux-là. Malheureusement, le seul moyen que j'ai d'en obtenir, là, c'est de la Certus Quartz en compressé. Mais pareil, j'en ai pas des masses. Et j'en ai besoin aussi. Donc voilà. Donc, le crafting monitor ici. Hop. Ouais, c'est ça. 3 pour annuler. Donc voilà, donc vous avez en gros mon évolution sur appeler d'énergistique, comment je gère mes ressources. Est-ce que des blancs patterns. Non, il va falloir que j'en refasse des blancs patterns de toute façon. Et ça pareil, il me faut du Certus Quartz. Ah, il n'y a pas moyen, il va falloir que je prenne du. Va falloir que je sacrifie un petit peu de Certus Quartz Dust. Pas beaucoup. 32. Même 32, c'est beaucoup. Allez, 16. Hop. Ça va me faire une quantité pour le moment suffisante. J'aurais jamais cru que j'allais manquer de ces cristaux-là. J'en avais presque 300. Et c'est parti, mais avec l'espèce de gros cube là, c'est parti, mais comme des petits pains quoi. Ça consomme, enfin comment? Ça demande mais énormément de ressources. Je peux vous montrer les crafts rapidement. Donc c'est simple, c'est dans la pile d'énergistique. Alors dans la pile d'énergistique, alors déjà les fameux assembleurs container walls, donc ce qui fait les arêtes. Bon, déjà c'est du Certus Quartz, donc
Donc voilà, de l'iron, du gold, ça c'est pas un souci. Et donc ça déjà, pour faire mon truc, il m'en a fallu 9 au cube. Hein. Non. 9, ouais, on va dire. Donc, 8 plus 8 plus 8 déjà là, on en a 32. 32 plus en bas 32 plus 64, voilà. Donc déjà il y en a 48 si je dis pas de bêtises. Et il y en a déjà 48. Donc déjà 48 Certus Quartz qui sont partis en éclat. Ensuite il y a les vents. Alors les ça va, les events, c'est pas ce qu'il y a de plus coûteux. Un peu d'ME câble. Donc le ME câble, ça me coûte, voilà, c'est en ça là, c'est en flux dust, ça consomme pas mal. Et ça c'est de la et ça donc c'est de la redstone et du Certus Quartz dust. Donc ça consomme aussi de ça. Donc ça, il m'en a fallu, ben, pareil, donc le reste ici, donc ça fait. Ça fait 25 fois 6. Donc 25 fois 6, 25 et 20, ça fait déjà 4, ça fait 100, ça fait 150. Donc il m'en a fallu 150. Ensuite, donc à l'intérieur, donc pareil, la même quantité, un peu moins, donc on va dire 100 quoi. Ouais, peut-être 120. Ouais, il y a peut-être une centaine de CPU. Moins que ça. Moi, je pense qu'il y a moins d'une centaine de CPU. Mais hop, les CPU, voilà, ça consomme 2 Certus Quartz à chaque fois. Plus des avancées de processeur, ça. J'ai utilisé beaucoup de diamants. Résultat, pour faire mon cube là. Voilà, glowstone, iron. Donc, ça, c'est. Voilà, mais c'est surtout le Certus Quartz qui est parti. Là. Et pour finir les 27 ME pattern provider. Alors là, c'est déjà c'est des storage cells, donc là le Certus Quartz, merci, au revoir. D'ailleurs c'est les cells hein, qui m'ont coûté à fond. Ensuite il y a les matrix, les conversion matrix. Donc ça m'a coûté pas mal de quartz, du Certus Quartz, encore du Flux Dux, donc ce qui me sert à faire les ME câbles. Des basic processeurs, ça c'est pas un problème, c'est juste un peu de gold et du silicone. Le silicone, ça me coûte du quartz du Nether. Donc j'ai été pas mal dans le Nether aussi. Ça m'a pris énormément de temps hein, de faire ce cube, hein. Ça m'a pris facile 5 heures de jeu. Parce que j'avais pas toutes les ressources, surtout en quartz. Donc voilà. Et puis voilà, bon, crafting table, j'avais ce qu'il fallait. J'ai pas tourné longtemps parce que ce rhume commence à m'énerver. Donc voilà. Donc vous avez un petit peu la quantité de ressources, une idée de la quantité de ressources qu'il faut pour faire ce cube de 9x9. Alors je l'ai fait de 9x9, j'aurais pu le faire de moins. J'aurais pu le faire que de 5 par 5. Ouais, ça aurait été plus...